Je suis le lieutenant Ridza Okai. Ma mère est morte quand j'étais enfant. C'est mon père qui m'a élevée. Il était alchimiste d'État. Mon père et moi n'étions pas vraiment proches. Mais c'est à cette époque que je l'ai rencontré, lui. Roy Mustang, l'apprenti de mon père. L'obsession de mon père pour son travail grandissait chaque jour et me terrifiait. Mais lui était différent. Mon père craignait qu'on ne lui vole ses travaux s'il les écrivait simplement dans un carnet. Alors un soir, il rédigea l'œuvre de sa vie dans un cercle de transmutation codé et le tatoua sur mon dos. Il disait que j'en étais la gardienne. Après sa mort, Roy m'aida à lui offrir des funérailles, puis me dit que si un jour j'avais besoin d'aide, je le trouverais au sein de l'armée d'Amestri, où il œuvrerait pour rendre le monde meilleur. Il avait de charmantes idées, Wallach. Je décidai donc de lui confier les secrets de mon père inscrits dans ma chair, lui demandant de les utiliser pour le bien du peuple. Plus tard, je rentrai à mon tour dans l'armée, comme tireuse d'élite. Je fus envoyée au front lors de la guerre d'Ishbal. Là-bas, la guerre avait balayé les idéaux de tous, ne laissant place qu'à un massacre insensé auquel je prenais part en appuyant sur la gâchette. C'est également là que je le revis après tout ce temps. Roy Mustang, désormais appelé le Flamme Alchimiste. Je lui en ai tant voulu d'avoir utilisé les travaux de mon père pour tuer des civils, mais je m'en voulais plus encore de lui avoir mis ce pouvoir dans mes mains. À ma demande, il brûla les parties de mon dos. Ainsi, jamais plus il n'y aura d'autres flammes alchimistes. Après ce jour, je l'ai suivi. Et je le suivrai jusqu'en enfer.